voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo avec un unboxing. Alors, un unboxing de plein de cartons. Alors, pourquoi plein de cartons? Carton, poche, peu importe. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, j'ai reçu plein de colis avec plein de choses pour nos futurs événements à Patricia, donc de la page Pas de film au diams et en lien donc avec ma chaîne Les Envies de Crivia. Comme vous savez, il va y avoir donc une période là qui va arriver très très vite où je vais vous proposer donc des pochettes surprises. Je vous ferai une vidéo spéciale justement par rapport à ces pochettes-là pour vous expliquer en fait le fonctionnement et tout le reste, voilà. Il va y avoir le loto aussi qui aura lieu le 10 avril avec la mise en vente des cartons à partir du dimanche 7 mars. Donc ça arrive très très vite là. Il vous reste un peu plus d'une semaine à patienter avant de pouvoir acheter vos cartons. Et puis bah, après, il y aura aussi la fameuse tombola au mois de juin. Donc voilà, donc nous avons des personnes qui ont eu la gentillesse en fait de participer à la mise en place de ces événements tout simplement en offrant des créations qu'elles faisaient. Voilà, pour la plupart d'entre elles. Et pour les autres, eh bien, ce sont des personnes qui ont généreusement, pardon, offert des lots justement donc à la chaîne et au groupe APAT pour ces événements-là. Bon, les pochettes surprises, les lots sont déjà pliés. Le loto, presque, presque. Je crois qu'il faut que je fasse le point, il ne manquait pas grand-chose. Et après, ben, pour le coup, le gros du gros à préparer, ce sera donc effectivement la tombola. Et puis bon, ben, ça c'est que pour le début de l'année. Après, il y aura d'autres événements qui arriveront un peu plus tard. Mais voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les cartons. Et au fur et à mesure que j'ouvre les cartons et les sacs, je vous dirai donc ben, de qui ça vient. Et après, vous pourrez, si ça vous intéresse, vous pourrez les contacter en message privé pour qu'elles puissent réaliser en fait leur création. Et vous les vendre, voilà, tout simplement. Voilà. Donc déjà un grand merci à toutes ces personnes. Et puis au fur et à mesure, je vais vous donner le nom Facebook, parce que je ne connais pas leur nom à toutes. Il y en a qui ont des pseudonymes et tout ça. Donc il y en a quelques-unes que je connais, quasiment toutes d'ailleurs. Mais bon, après le reste, je connais pas forcément les noms et les noms de famille. Donc je vous donne les noms que je connais par rapport à Facebook. Voilà. Alors. Nous avions reçu, enfin j'ai reçu tout simplement, un carton donc qui me venait de Sylvie Palmieri. Alors Sylvie Palmieri, vous la connaissez notamment par rapport au fait qu'elle fait de la wax. Voilà, une super wax, un truc du top avec des odeurs géniales, quelque chose qui fonctionne très très bien, qui remplace la cire. Et c'est juste en fait un réel bonheur de travailler avec sa cire. Voilà. Donc elle a eu la gentillesse. La dernière fois qu'elle m'a envoyé un colis avec de la wax, je me suis retrouvée, je m'attendais avec un petit truc, hein, une petite enveloppe avec la wax dedans. Et non, en fait, j'ai reçu un colis, un carton, voilà. Et dedans, eh bien, elle a eu la gentillesse. Donc je vais vous montrer. Du coup, j'en ai déjà eu quelques-unes, mais là, pour le coup... Il va falloir que je fasse le point parce qu'il y avait eu des petits soucis de contenu. Alors, l'ananas, c'était bon. Ouais, celle-là, c'était bon. Je crois que je les avais mis de côté, celle qui était bien remplie. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, vous allez retrouver dans nos événements des petites boîtes comme ça. Ah, vous voyez, senteur ananas, par exemple. Pomme d'api. Fleur d'oranger, charlotte aux fraises, pêche à croquer, sorbet abricot, fleur de vanille et violette. Voilà, ben en fait, ce sont des, comme je vous ai expliqué, ce sont des wax. Voilà, c'est de la cire tout simplement. Et vous en servez à la place à la place de la colle rose que vous avez, vous savez, les petits carrés roses, voilà. Donc ça sert à ça. Une odeur.
Voilà, moi je remplis très peu mon stylet avec. Donc c'est juste génial. Donc elle a offert ça. Ensuite, elle a offert. Elle avait déjà offert plein de choses, hein, mais là je parle que de ce carton. Donc elle a offert deux crayons de cire. Voilà, c'est des crayons. Vous voyez la cire? Voilà. C'est des crayons que vous taillez et pour ceux qui préfèrent, eh bien, ils attrapent, voilà, ils attrapent les diamants avec ça, en fait, avec cette partie-là, ce petit bout-là. Voilà, donc deux crayons de cire. Ensuite, il y a les fameux, voilà, les fameux stylets en résine polymère ou résine, je ne sais plus comment ils appellent ça. Enfin, c'est de l'époxy, mais arrangé, voilà. C'est pas l'époxy de notre chère et tendre pâte. Voilà. Ensuite, nous avons un autre stylet. Voilà. Que vous connaissez. Voilà, on le voit partout sur AliExpress. Voilà. Et après, là aussi, pareil, on les voit partout sur AliExpress. Ces stylets-là. Voilà. Donc, ça ressemble à des stylos. Et en fait. Hop, quand vous ouvrez, voilà. Il y en a qui préfèrent ce genre de choses. Alors c'est bien, ça fait des, vous voyez, c'est rempli de, alors je sais pas si c'est des petits diamants ou des petites perles ou ça ressemble à des diamants, on dirait. Des petits diamants, enfin des petits trucs en forme de, ah ouais, c'est ça. Des petits trucs en forme de diamants. Voilà, ils en ont mis et ça fait du bruit. Voilà, vous entendez? Voilà. Donc voilà, donc il y en a quatre. Il y en a un bleu vert d'eau, je sais pas trop comment le définir. C'est pas tout à fait vert, mais c'est pas bleu non plus. Donc voilà, couleur parme. Voilà, elle est super jolie. Un rose, rose rose. Et là, c'est un autre rose, mais un peu plus pastel. Donc voilà pour ça. Ensuite, elle nous a mis. Ça, c'est génial, des washi tape. Voilà, donc alors je pense qu'on mettra la boîte toute seule. Ils sont jolis, les motifs, j'aime beaucoup. On mettra la boîte toute seule, et après là, ils sont en fait, c'est des ils sont divisés en paquets. Voilà, vous voyez, donc je sais pas, on mettra peut-être un lot de chaque au fur et à mesure. Je verrai. Voilà, ça me fait penser un petit peu à carnaval et tout ça. Voilà. Un petit peu avec les fleurs, un petit peu la saison du printemps qui va arriver. Voilà. Ensuite, gentillesse, il est joli ce villa. Vous voyez, il est trop trop beau. J'adore, je le kiffe. Hein? Ouais, bah ouais, il est trop beau. Les papillons. Voilà. Voilà. Ensuite, ben voilà, vous allez le voir, vous allez vite comprendre. Voilà, vous savez ce que c'est. Les piluliers. Et je dis bien des piluliers parce qu'en fait, il y en a trois. Il y en a trois. Je n'ai pas ouvert, j'ai pas trop osé, je vais vous montrer. Voilà, ils sont tous multicolores. Hein, voilà. Vous voyez? Donc. Voilà, c'est les piluliers que vous connaissez de plusieurs couleurs. Voilà, et il y en a trois comme ça. Ouais, regardez, je vais vous montrer. Voilà, 1, 2, 3. Donc, hop, ça c'est fait. Et puis ensuite, elle nous a fait aussi. Voilà, elle nous a mis dans le carton des. Petites choses qui vont pouvoir vous faire plaisir. Alors c'est pas ce coup-ci, c'est pas des grandes toiles, mais voilà le geste y est. Alors là nous sommes donc sur du, je sais même pas si c'est du rond décor 30 par 40. Et bien écoutez, on va l'ouvrir. Donc une toile en full, donc en full ça veut dire à faire entièrement.
Mais je pense que ça doit être du rond parce que du coup, elle ne fait plus de rond. Ouais, c'est ça. Alors, je vous montre. Je sais qu'il y en a qui vont kiffer. Voilà. C'est les aristochats, hein, il me semble. Les aristochats. Voilà, dans un gobelet. Donc voilà. Alors non, ça ne sera pas en vente dans la boutique. Parce que dans la boutique, il va falloir que je puisse apporter les preuves de ce que j'achète. Malheureusement. Puisqu'il va me falloir des aides. Et que pour prétendre à des aides, il faut que je puisse amener un justificatif. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de justificatif. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on nous offre en fait pour le que ce soit pour les événements qui vont arriver que vous connaissez ou les autres événements qui vont avoir lieu ou même sur pour le coup sur les événements aussi des envies de Trivia, hein, de la chaîne YouTube tout simplement, ce sera forcément à gagner à un moment donné. Voilà, ou à gagner, ou comme là, pour la tombola, ce sera mis en jeu voilà, au moment de la tombola, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une 30 par 40, je vous ai dit. Maintenant, il faut que j'arrive à la remettre. C'est un petit peu plus compliqué. C'est facile à sortir, mais. Ah, ça y est, j'ai réussi. Hop. Oui, et puis vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver. Et notamment. Alors, j'ai notamment un colis des Hobbits de Véro qui est arrivé. Mais là, par contre, celui-là, je ne vais pas vous le montrer. Parce que les lots à gagner, en fait, sont tellement bien emballés que j'aurais trop peur de les abîmer. Donc. Et eh bien, il y aura à gagner. Vous savez que ce sera à gagner. Vous savez que c'est des choses faites par les Hobbits de Véro. Mais vous aurez la surprise au moment où vous le recevrez. Si vous le gagnez. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc, ensuite, une autre toile. Alors là, pareil, hein, c'est du rond et c'est du. Eh bien, on ne sait pas. C'est du. On va voir s'il y a la taille au milieu. Alors, bon, mais il n'y a pas la toile, la taille, c'est dommage. Bon, je dirais peut-être un 30 par 40. Voyons voir, celui-là c'était un. Non, ça c'était un 30 par 40. Donc peut-être un 40-50 du coup. Bon, il n'y a pas de taille en fait, donc je pense que c'est du 40 par 50. J'essaye de voir si j'ai pas les yeux qui partent en gris, mais non. Donc voilà l'image. Voilà, c'est du diamant rond. Donc ben c'est pareil, hein, ce sera à gagner. Voilà, voilà. Et là, il y a 28 références quand même. Donc c'est déjà pas mal. C'est très joli tout ça. Voilà, voilà. Hein, même sur le l'étiquette. Ah si, oui. Oh là là, c'est vraiment tout, tout petit, petit, petit. Hein. C'est du 40 par 50. Donc, je vous confirme, c'est du 40 par 50. Mes yeux ont réussi à faire effet loupe pour pouvoir y voir correctement. Mince. Bon, ça sera plus facile les autres parce qu'elles sont pas emballées du tout. Allez, hop. On y va. On va pour l'aventure. Vous connaissez? C'est vieux ça. Hop. Là, donc. Hop, une de plus. Ensuite, on va faire celle-là. Donc, ben là, celle-là, c'est pareil. C'est une petite toile en 30 par 45. Toujours en diamant rond. Voilà. Ce sera ce modèle-là. Et après, ne vous inquiétez pas. Enfin, là, je vous montre vite fait. Mais ne vous inquiétez pas. Après, quand ils seront à gagner, je vous les remontrerai pour que vous sachiez ce que vous allez gagner quand même.
Il va juste falloir que je trouve de la place pour stocker tout ça. Parce que je vous raconte pas, c'est le bordel. Hein. Un truc de malade. Ensuite, un autre 40 par 50, toujours en diamant. Ah ben non, c'est du diamant carré. Voilà, voilà, ça change un petit peu. 20 couleurs. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont kiffer. Voilà. Bon, la vidéo risque d'être un petit peu longue pour le coup. Hein. Je vais vous occuper une partie de la soirée pour celles qui aiment regarder mes vidéos. Mais voilà, comme ça, vous allez savoir exactement tout qu'est-ce que j'ai reçu. Et enfin... Et enfin, une 40 par 50 avec 17 couleurs et des diamants carrés en sachet zip. Voilà, voilà. Ça va être très connu, hein, on la voit souvent passer. Voilà. Le chat avait le reflet dans la flaque d'eau qui devient un tigre. Donc voilà, donc ça c'était pour le colis de Sylvie Palmieri. Donc ma Sylvie, un grand merci, tu le sais. Tu le sais, j'arrête pas de te dire merci à chaque fois que tu m'envoies quelque chose. Voilà, c'est juste énorme ce que tu fais. Merci aux autres aussi, hein, mais voilà, comme là c'est le tour à Sylvie. Voilà, voilà, donc ça c'était le colis que j'ai reçu de la part de Sylvie Palmieri. Ensuite, un autre colis. Hop, on bascule. On va faire, essayer de faire en sorte que tous les colis, regrouper un peu tous les colis. Donc, ça, c'est un colis que j'ai reçu hier. Alors, je l'ouvre devant vous, vous voyez, en direct. Et c'est un colis qui nous vient de Sonia Briard, le Carpentier, que vous connaissez donc. Elle est sur Facebook aussi. Alors, voyons voir. Hop, 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 hop. Une petite carte, elle est trop mignonne. Coucou ma belle, voici comme promis une série d'aimants. J'espère qu'ils te plairont. Je t'ai mis aussi pour toi. Ok. Ok, parfait. Merci Sonia. Tu m'en avais parlé effectivement. Tu m'avais laissé un petit message. Donc hop, ça c'est pour moi. Oh, je vais faire ma curieuse quand même. Bubble gum. Petit cadeau. Donc, petit cadeau de Sonia pour moi. De la wax. Voyons voir. Oh! On dirait du chewing-gum. Vous connaissez les Malabar? Oh, mais juste un délire, mais trop bon. Ça sent un truc de malade, mais wesh, t'as laissé tomber le flacon de bubblegum dedans, c'est pas possible. Ah, j'aime bien ça aussi. Oh la vache. Bon, mais écoute, hein, je vais faire ma testeuse. Voilà, voilà, tout simplement, et je te dirai ce qu'il en est. Hop. Oh, mais c'est qu'elle a bien fait les choses. Elle m'a mis les petits sachets qui vont avec et tout. Mais ouais, t'en as mis combien en fait? Je suis désolée, hein, je suis surprise. Je découvre le colis en même temps que vous en fait. Et j'ai pas encore ouvert l'enveloppe. Ça, je sais pas trop ce que c'est en fait. Est-ce que c'est important ou pas? Non, à mon avis, ça doit être à une de tes filles, je pense. Alors, j'ai pas encore ouvert l'enveloppe, mais voilà ce que j'ai reçu en fait. Tout un tas de pochettes. Donc, s'il y a autant de pochettes qu'il y a d'aimants, et eh bien. Non, s'il y a autant d'aimants qu'il n'y a de pochettes, je vous laisse imaginer. Voilà, j'ai reçu une enveloppe. Voilà, je ne l'ai pas ouvert. Donc, je l'ouvre. Oh oh oh! Ah, mais attends. Alors, du coup, ça va peut-être aller avec quelque chose. J'en ai vu un autre qui lui ressemble. Faut que je voie, du coup. Ah, d'accord. Je comprends mieux, en fait. Je croyais que ça venait de chez tes filles.
Alors, vous êtes curieux ou là il me manque un bout là. Il est où? Alors, attends. On va faire comme ça. On va faire comme ça parce que ça se renverse. Et il me manque. Ah ben oui. Mais alors, attends. Je réfléchis en même temps parce que du coup. Ouais, d'accord. Lui va venir là. Je crois qu'ils ont fait. Il y en a qui ont fait les coquins en fait entre eux. Les aimants ça tire pas là ou c'est quoi ça? Ah mais wesh. Pourquoi il veut pas? Ah lui c'est bon. En fait il y en a qui sont opposés. Ouais, attends. Lui c'est bon. Là. Ah ben. Là j'en ai deux. Peut-être lui laisser le. Non, on va pas lui laisser le. Hop. Je me bats avec les aimants en fait. Voyons voir. Ok, une queue de cochon. Mais ça va peut-être ensemble du coup. Bah, je pense que je suis pas trop mal là. Là il y a des aimants, là il y a un aimant, là il y a un aimant, là aussi. Là. Bon mais voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc du coup, je vais tous les mettre sur le papier comme elle me les a mis. Et je vais vous les montrer. Voilà, voilà. Mais donc peut-être que le cochon, en fait, c'était ensemble. La queue du cochon, mais du coup il y a deux aimants. Attends, on va voir. Donc le cochon et la queue de cochon ensemble. Les diamants, ok. Ça, ok. Ça. Alors là, ceux-là, par contre, je ne vais pas les mettre. Voilà, je vais vous les montrer. Donc, en fait, c'est vous l'aurez compris, c'est des marmites, des aimants. Voilà, vous voyez, hop. Hop. C'est pour quand vous ouvrez vos papiers sur vos toiles. Voilà, plutôt que d'être sans arrêt en train de tenir ou de poser quelque chose dessus pour que ça tienne. Mais vous mettez des aimants. Donc, vous avez cette partie-là. Voilà. Partie-là. La partie de l'aimant. Voilà, tout simplement. Et hop. Et vous collez votre papier. Donc on a celui-là. On a ben, la même chose mais en vert. Petite marmite. Alors ça c'est bien parce que on peut y voir aussi le côté pratique du coup de la marmite qui peut servir en fait de poubelle à déchets diamants en fait. Vous savez quand vous avez des diamants avec des trous ou des petits morceaux de diamants qui ressemblent ni à un rond ni à un carré. Ben voilà, vous pouvez du coup vous en servir et les mettre dedans, c'est pas mal. Voilà. Juste, je t'envoie un message après Sonia, je viens de penser à quelque chose pour toi. Un petit truc qui pourrait être sympa. Mais alors du coup, après voilà, vous avez, il y a du, ils sont pas dociles. Hein. Voilà, donc après, du coup, vous avez plusieurs aimants. Voilà. Donc, tout ça, c'est des aimants, en fait. Voilà. Vous avez les diamants, les petites gouttelettes. Que vous connaissez, on en a déjà. Voilà. Sandrine nous avait offert, il me semble que c'était. Là, vous avez des tasses. Voilà, tasses café. Café. Café, voilà. La sucette. Le cochon avait la queue. Ah, attendez. Hop. Je vais modifier le. Je vais le mettre correctement pour que vous puissiez voir. Voilà. Et c'est bon, je l'ai bien mis. Donc le cochon. Et quand vous retournez, vous avez la queue du cochon. Voilà. Le macaron. Le champignon. La chaussure. Toujours la gouttelette. Le macaron. Et là, vous avez le petit hérisson. Voilà, vous voyez, petit hérisson. Et bien là-dessous, vous avez bébé hérisson. Voilà, vous voyez.
Maman hérisson. Bébé hérisson. Voilà. Voilà, voilà. Ben, écoute, super, merci Sonia. Donc, je vais remettre tout ça dans le dans l'enveloppe pour pas abîmer. Tout ça, tout ça. C'est vraiment très, très gentil de ta part. Voilà, ça fait des petits cadeaux en plus pour les abonnés et pour les événements. Donc, si j'arrive à mettre dedans, voilà. Je suis d'un doué, d'un naturel doué ces derniers jours. Je ne vous raconte pas comment ça fait peur. Là, voilà, j'ai réussi. Hop, on va mettre ça. On va remettre le papier par-dessus. Hop, les autres, je vais les y mettre dedans aussi. Voilà. Et je vais mettre les sachets à l'intérieur que je vous mettrai. Que je les mettrai après moi quand je ferai les lots. Voilà, voilà. Ben écoute ma belle, un grand merci. Vraiment, c'est super. Merci, merci, merci. Puis merci pour le petit cadeau de la wax. Voilà, donc je vais essayer. Je te tiendrai au courant. Mais je t'envoie un message après. Comme je t'ai dit, j'ai pensé à quelque chose. Voilà, voilà. Alors, ensuite, nous avons... Alors, j'ai récupéré hier, mon chéri m'a récupéré hier, un colis de Lancris. Alors, Lancris. Donc, bah, écoutez, alias, en fait. Lancris, alias. Christine Lanza Femme, je pense que c'est. Chris, ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Christine Lanza Femme. Tu me diras si je me trompe, Lancris. Mais je crois que je ne me suis pas trop trompée. Donc voilà, qui elle aussi a tenu à participer à ces événements à sa façon. Voilà, donc c'est une créatrice. Voilà, et je vais vous montrer donc ce qu'elle a offert comme, comme lot pour ces événements-là. Je me mets un doigt, je sens. Non, ma chérie. Là. Hop. Alors, à faire attention parce que c'est très fragile. Voilà, donc... Alors... Merci. Oh. J'ai tellement... c'est tellement fragile en fait que j'ai peur... J'ai peur de l'attraper et de l'abîmer. Lui, en fait, il va retourner en carton tout seul. Donc voilà, je vous présente ce que Lancris fait. Ce sont des poupées en livre. Voilà. C'est très très original. Donc là, vous l'aurez compris, hein, c'est une Barbie. Et puis elle l'a habillée, elle lui a coloré les cheveux et voilà, elle en a fait un clown, tout simplement. C'est super joli. Hop. Donc voilà, ben ça aussi, ce sera à gagner lors d'un événement. Je vais enlever tous les papiers qu'il y a autour pour protéger et les mettre dedans comme ça parce que je ne peux pas les rentrer avec les autres lots pour ne pas les abîmer. Et ça va aller au-dessus... au-dessus de mon placard en attendant voilà pour pas que ça s'abîme, ce serait dommage. Et hop, on va essayer de faire attention aussi. Oh, eh bien, elle a perdu je sais pas quoi. Mais... Ah, la guitare. Elle a perdu un truc de la guitare. Tu le vois? Non, c'est un casque. C'est un casque? Ouais. Un casque. J'avais le même en rose. Fais voir. Tiens, j'avais le même en rose. Ah. Hop.
c'est peut-être moins l'attrapant du coup. C'est trop beau. Hop. Et voilà la deuxième. Donc toujours pareil, une poupée en livre. Voilà. Qu'elle a gentiment offert donc aux envies de Crivia et à Patfilm Audiams pour nos événements. Donc bah écoute Lan Chris, un grand merci à toi. Donc je vais les mettre à part dans des je vais reprendre le carton là et le mettre en hauteur pour pas les abîmer. Et voilà, donc bah écoute, c'est super sympa, merci beaucoup. Hop, là, je viderai le carton tout à l'heure. Ouais, s'il te plaît. Ensuite, ben ensuite j'ai reçu. Je vais le mettre en hauteur parce que la terre est basse. Là. Donc là pareil, je l'ai reçu hier. Enfin, je l'ai reçu hier. Non, mon mari a été le chercher hier. Hop. Donc, un autre, je dis bien un autre colis de la part de Sandrine Kikampois. Là. Alors, avec un petit mot tout gentil, donc, Mumu et pas toi aussi comme promis, 2-3 bricoles pour vos événements, dans le sac craft tu as, et dans celui avec le reine, ok, amicalement, ok. Alors, donc Sandrine a offert gentiment, ben voilà, un livre de coloriage. Voilà, donc c'est sur le thème nature, je pense, avec les oiseaux. Voilà, vous voyez. Voilà. Il y a de quoi faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Mais la poche est vide. Donc, il va y en avoir des voilà, donc mais là c'est pareil, des stylets. Voilà, donc ça c'est un stylet fait en loom. Voilà, vous savez, les fameux élastiques. Voilà, donc un stylet fait en loom. Et après, ben, vous avez c'est des stylets. Ouais, c'est des stylets. Vous avez celui-là, vous avez celui de la licorne. Là. La clé. Le cygne. Ou le flamand. Enfin, à la base, ça devait être un flamand rouge. Un flamand rose, je pense. Bon, voilà, c'est distillé. Tout simplement. Et ça, mais ça ressemble à un cœur avec des ailes. Voilà, toujours pareil, stylé. Voilà, voilà. Des petits stickers. Voilà, qu'on rajoutera. Oh, super.
Et non, c'est pas un vanity pour mettre les produits de beauté, mesdames. Vanity avec des pots. Alors, est-ce que par hasard... Eh ben ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hop, 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 hop. Toi. Ouais. Celui-là. Alors, vous avez des petits contenants. Et vous avez les grands contenants. Donc, si je dis pas de bêtises, je vais soulever et il y a une autre étage. Un autre étage de contenants. Et ben ouais, comment je suis trop forte. Donc voilà, alors je vous montre. Donc vous avez en haut, donc le vanity avec les petits. En bas, vous avez un étage de contenant. Pas très très pratique. Et un deuxième étage. Voilà, vous voyez tout ça. Et voilà, donc vous l'aurez bien compris, ce sera un lot à gagner. Alors du coup, certainement que ce sera un lot à gagner pour la tombola, je pense. Parce que là, les lots du loto sont quasiment tous pliés, en fait. Que je fasse le point, mais il ne va pas me manquer grand-chose. Un petit porte-clés chat. Chat. Voilà, un petit porte-clés chat. Que je remets dans sa... Oh, regardez. Attends, on va le fermer correctement. Ça, dans le transport, je pense que ça a dû bouger. Voilà, voilà. Donc, vous avez compris, hein, il y a un petit kit de coloriage avec les crayons. Des mini coloriages, voilà, pas beaucoup de pages, mais alors là j'aimerais bien savoir pourquoi. Tu vois, il est magnifique. Oh là là. Je vois même pas pourquoi en fait tu l'as pas gardé sans lui. Il est super beau. Je vais l'ouvrir pour vous montrer les pages en fait. C'est un livre, c'est un coloriage avec la couverture cartonnée. Voilà, donc quand il n'y en a plus, il y en a encore, s'il vous plaît. Ah, en fait, il est tout neuf. Ouais, bah, ça m'embête de l'ouvrir en fait. Bon, mais écoutez, je vais pas faire ma curieuse. Je demanderai juste à la personne du coup qui le gagnera de l'ouvrir et de me le montrer. C'est de l'art-thérapie en fait. Hein. C'est un livre de coloriage. Voilà, c'est un livre de coloriage. Et quand vous voyez Bambi, en fait, ben, vous imaginez tout un thème de coloriage autour de, des portraits Disney. Je suppose que ça doit être ça. Donc, il doit y avoir ouais, Hercule, Vaiana. Il y a les noms là, c'est trop bien. Il y a Vaiana, Isma, Vanellope, Nick, Judy, Hercule, Clochette, Alice, Figaro, Merlin. Plein, voilà. Ça va être top, hein. Vous allez vous éclater. Vous allez vous éclater. Oh, oh, oh. Des Twin Makers. Ah non, des Paint Makers, pardon. Voilà, des stylos, enfin des feutres. Des petits autocollants. Ah, j'en ai oublié. Des petits autocollants. Voilà.
devait être une petite boîte. Alors ça c'est bien, c'est pour ceux qui veulent ranger leur carré de colle rose. Voilà. Ou après bah, vous en faites tout ce que vous voulez quoi. Mais petite boîte de rangement. Des paint makers, hein, voilà. Ensuite, vous avez donc ben, pour le coup encore un crayon de cire. Un stylet. Voilà, j'ai encore un stylet différent. C'est un peu dans le même style que les stylets comme chez Huacan et tout ça. Sauf que ben voilà, c'est encore un autre style. Après, donc, un stylet en époxy. Voilà. Un deuxième stylet en époxy. Alors non, ils ne viennent pas de chez Pat. Je vous le dis de suite. Voilà, voilà. Et un troisième stylet en époxy. Donc, toujours pareil, ils ne viennent pas de chez Pat. Voilà. Ensuite, et je pense que le reste, ce sera tout. Le reste, c'est pour moi. Donc, nous avons une toile en diamant spéciaux en 30x30. Je vous ai dit que j'étais pas douée pour les remettre. Là, cet après-midi, il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas. Hein. Là. Hop. Là. Et une autre toile en diamant spéciaux. Et c'est une... Et c'est une 30x30 aussi. Voilà, voilà. Voilà, c'est un diamant spécial, mais il y a du boulot, il a quand même aussi. Hein. Donc, par contre, il n'y a pas tout petit avec celle-là. Ouais. C'est pas grave, j'en ai, j'en rajoute. B. Voilà, voilà. Donc, ben, écoutez, merci Sandrine. Voilà. Et non, c'est pas fini. Je vous abandonne pas comme ça. Hein. Vous avez cru? Eh ben non. C'est pas la fin encore. Il me reste encore un colis à ouvrir. Hop, j'essaie juste de rassembler un petit peu. Ça je vais pas pouvoir. Là, hop, ça c'est tout ce que j'ai pas trié encore. Tout ce qui est en plus et qu'on n'a pas encore. On n'a pas encore mis hop, là, là. Il y a celle-là aussi. Et après, le reste, c'est pour moi, si je dis pas de bêtises. Ok, donc ça, c'est pour moi. Et donc, le dernier sachet, le dernier paquet. Là, c'est un paquet, une poche qui nous vient
de Dodoche, Dorothée Pinto. Voilà. Elle avait mis ça hier dans le Swap avec ma fille. Donc, alors, il y a de la toile. Je vais vous montrer après. Il y a de la toile, il y a de la toile, il y a de la toile. Il y a de la toile. Et il y a, alors, du coloriage. Voilà, un autre modèle, donc très bien. Voilà, voilà. Vous voyez ? Super. Mais je suis contente parce que je voulais en acheter et chez moi, il n'y en avait plus. Donc comme ça, je vais pouvoir les mettre. Un rouleau. Voilà, un petit rouleau en plus à mettre dans nos événements. Ok, ça, ça va avec ça. Ça, ça va avec ça. Ensuite, un exacto. Un exacto. Ensuite, vous allez la voir. Bon, ben pour le coup, ce sera pas pour le loto. Voilà, ce sera donc certainement pour la tombola. Alors, peut-être que d'ici là, il y en aura d'autres, mais au moins, il y en aura une à gagner. Voilà, donc vous voyez. Voilà, voilà. Donc, il y en a, comme je dis, 36. Trop, trop bien. Après, elle s'est servie chez Bazar Natoun. La Morpionne. Elle s'est servie chez Bazar Natoun, nos fameux stylos gel. Voilà, voilà. J'ai plus de place pour ranger, les cartons sont petits. Des stylos color pen, stylos de couleur, hein, voilà. Et des livres de coloriage sans crayon de couleur. Bah voilà, ça sert à rien. Voilà, voilà. Donc des crayons de couleur. Et stylet en époxy. Vous allez en avoir un paquet des stylets en époxy à gagner, hein, dis donc. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Voilà, et ensuite je vais vous montrer donc elle nous a offert des toiles. Alors, celle-là, c'est une 50 par 70. Et c'est du diamant rond. Il me semble que c'est tous des diamants ronds parce que de là, je ne fais plus de diamants ronds. Alors, le lion, les bonhommes de neige, les bonhommes de neige. Donc les diamants doivent être dedans. Alors, hop. Voyons voir. Donc, faudra lui passer un coup de fer. Ouais, c'est du diamant rond. On va lui passer un coup de fer, hein, les filles. Voilà. Alors, normalement, les plis que vous voyez sur le... Les plis que vous voyez donc sur le papier transparent ne sont pas des rivières, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est juste les, la forme de la toile. Voilà. Mais comme vous pouvez le constater, vous voyez sur l'envers, elle est un peu abîmée. Donc un petit coup de fer à repasser. Vous mettez la toile à l'envers, vous mettez une pâte, enfin, un chiffon dessus et vous repassez sans vapeur. Très important, sans vapeur. Tout simple. Voilà. Ça aura le don de vous la, ça aura le truc de vous l'aplatir aussi en plus. Donc, et il y a 24 couleurs.
Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour la toile pan. Ensuite, je ne vais pas la déplier parce qu'elle est encore enroulée. C'est une 40 par 40. Il y a 35 couleurs et c'est un petit lion. Voilà, un lion multicolore qui vient de chez Huacana. Donc là, pareil, hein, ça fera partie des lots à gagner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, donc, nous avons deux toiles identiques. Donc, ben, c'est très bien. Deux toiles en 40 par 50. Donc, ben, comme ça, si elle plaît, il y aura quelqu'un qui pourra la gagner à nouveau. Voilà, vous voyez. Pareil, de chez Huacan, les deux. Donc, c'est des petits bonhommes de neige couverts. Le mâle et la femelle avec le petit chapeau et tout. Voilà, donc c'est 2,40 par 50, parce que c'est les deux mêmes. Je vais vous montrer. Hein. Je vous arnaque pas sur la marchandise. Hop, voilà, copie conforme. Voilà, voilà. Et vous avez 40, quand même, 45 couleurs. Voilà. Voilà, voilà. Donc ben, pareil, hein, ce sera des toiles à gagner aussi. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, ben, écoutez les filles, un grand merci pour tous ces lots. Voilà, maintenant, mais moi, je vais ranger, mettre de côté. Et puis ben, forcément, hein, vous les retrouvez lors des futurs événements. Voilà, voilà. En sachant qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver. Bientôt, il va falloir que je pousse les murs. Voilà, parce que je stocke tout, mais vivement que les événements arrivent quand même pour que je puisse... Pour que je puisse déstocker et vous envoyer tout ce qu'il y a à envoyer. Voilà, voilà. Donc, ben, je suis désolée, la vidéo a été un petit peu longue pour le coup. Il y avait pas mal de colis à ouvrir. Un grand merci encore une fois donc à Sylvie Palmieri, à Sonia Brière le Carpentier, à Lan Chris, donc alias Christine Lazanne Femme... Désolée si j'écorche ton nom. Sandrine Kikampois et Dorothée Pinto. Voilà les filles. Donc un très grand merci à vous toutes. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de votre générosité, de votre grand cœur. Moi je vais vous donner rendez-vous pour de prochaines aventures avec d'autres vidéos parce que ben oui, il va y en avoir d'autres. N'hésitez pas donc comme d'habitude à partager, à commenter, à liker. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Hein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite et notamment pour les pochettes surprises de Pâques. Plein de gros bisous, bonne soirée. Ciao, ciao.